Alors bonjour, là aujourd'hui on part sur une petite randonnée encore de Méronne qui monte au hameau de Ours. C'est une belle petite randonnée, bon il y a un peu avec un dénivelé de 500 mètres à peu près. Et c'est magnifique, je l'ai déjà fait plusieurs fois dans les années passées précédentes et je la refais cette fois-ci parce qu'il fait beau, c'est pas loin de où je suis. Alors je vous emmène avec moi dans cette belle balade et à tout de suite. Ça mouille. Une belle cascade. Magnifique. Bon, ben on n'a pas pu passer le chemin qu'on voulait prendre car le torrent a tout arraché et a tout défoncé. Et vu le courant qu'il y a, on n'a pas voulu prendre le risque de traverser dans un torrent en furie. Alors on prend un grand sentier qui va rejoindre le hameau des ours. Ça va couper la rando de plusieurs kilomètres. Mais bon, tant pis, c'est la sécurité. Le paysage est aussi beau. Et on ne prend pas ce risque d'avoir un accident. Allez, on vous emmène quand même. C'est les péripéties de la randonnée. Il faut savoir changer les itinéraires et savoir faire demi-tour. Quand il y a des risques. Qu'on a fait il y a 2 ans avec les autres forts qui sont en dessus. Et comme il faisait, il n'y avait pas de pluie en cette saison-là, quand on l'avait fait, on en s'était permis de faire du hors-piste. Pour pouvoir profiter encore plus des minuscules sentiers, des sentes de randonnée qui ne sont pas forcément pour la randonnée, mais c'était beaucoup de plaisir à y faire. On arrive au petit village de Saint-Ours.
Voilà. Je pense qu'on aurait dû passer par là, non? Ah, il y a des belles prairies à faire là-haut. Des beaux pâturages. Voilà, donc on aurait dû monter par la rocaille, hein, et arriver par là, par ce sentier. Voilà, voilà. Bon, bah, ça sera quand ils auront refait, re-emménagé le passage, parce que ça sera peut-être pour une prochaine fois. Peut-être, ma femme dit. On va aller au village, on va casser la croûte. Voilà. Il y a déjà des grands donneurs qui sont en train de manger là. Beaucoup de randonneurs, colonies. On va s'éloigner un peu. C'est un peu bruyant. On a amorcé la descente vers la voiture. Morceau de batterie. Ouais. Un canon, ça, une mitrailleuse. Ah, monsieur Patou vient à notre rencontre. Oui, mon grand. Oui, mon grand. Oui. Il donne la 2, 3, 4.
Oui. Et voilà, la rando se termine. Nous sommes revenus au village. J'espère que cette randonnée vous aura plu, qu'elle vous donne envie de la faire. Alors on vous dit à bientôt. Mettez-nous un petit pouce en l'air, s'il vous plaît, pour nous faire du bien, pour nous faire monter dans les sondages. Et puis, bye!